J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo tag. J'ai été taguée par Clara de la chaîne Clara d'Épée sur un tag qui a été créé par Adeline de la chaîne La Sauterelle. Et c'est le tag portrait chinois, il me semble. Le tag du portrait chinois sur le thème de la nature. Et comme j'étais en train de faire du DP et que je viens de finir de regarder Clara, et bien sûr je viens de voir qu'elle m'a tagué, merci Clara, du coup, et ben je me suis dit allez hop, on y va au boulot, on va répondre à ce petit tag. Je suis sur la toile Halloween, comme vous pouvez voir, je suis sur mon dernier carré, donc ça avance, ça avance, ça avance. J'y arrive, je serai dans les temps pour le 31 octobre, elle sera terminée. Bon, vous allez me dire, j'ai pas de mérite, hein, c'est une toute petite 30 par 30 avec les bords inclus, mais voilà, j'avais d'autres projets en cours. Bref, donc je vais allumer la petite lumière parce que il fait assez sombre. Peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais moi, hop là, c'est déjà mieux. Je vous installe et je vais répondre au petit tag, fort sympathique d'ailleurs. Allez, je vous zoome, hop, 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 et voilà. Fort sympathique, des questions qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc allez, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Donc, je vous mettrai bien sûr en barre de description toutes les chaînes que je cite. Donc, il y aura pour l'instant la chaîne de Clara, la chaîne d'Adeline, de La Sauterelle, et puis ben, les chaînes que je taguerai en fin de vidéo. Voilà. Allez, donc on y va pour la première question. Première question. Si tu étais un animal, tu serais. Donc, je serais, tout en sachant qu'il ne faut pas dire d'animal domestique, sinon ce serait trop, trop, trop facile. Eh ben, je serais, c'est la même couleur que ce petit chat là, une panthère. Je trouve cet animal tellement majestueux, enfin, vous voyez le regard qu'elle a, la panthère, là, puis quand elle marche, tellement, enfin, quand elle marche tranquillement, hein, quand elle n'est pas en colère, je trouve ça tellement, tellement joli. Ça a une certaine prestance. Ben, j'adore, je kiffe. Voilà. J'aurais une prestance que je n'ai pas en tant qu'humaine sur Terre. Bref, hein, donc une panthère, ça me plairait bien, moi. Question 2. Question 2. Si tu étais une plante, fleur ou arbre? On va commencer par la plante. Je serais une aloe vera. Ouais, j'aime bien le principe. J'en ai chez moi et je trouve que c'est super cool. C'est foutez-moi la paix, je vis ma vie. J'ai juste besoin d'un peu d'eau une fois de temps en temps, mais alors très rarement. C'est ça quoi, c'est foutez-moi la paix, j'ai pas besoin de vous. Voilà. L'aloe vera, plante grasse comme ça, je dirais ça. Ensuite, une fleur, je dirais une orchidée. Parce que pour moi, c'est un peu le même principe. Déjà, la fleur est très jolie et on en trouve à toutes les sauces, hein, sous toutes les couleurs, sous toutes les formes. Mais ce principe de refleurir une fois par an comme ça, sans forcément s'en occuper, eh ben je trouve ça bien. C'est un peu le principe de enfin, l'aloe vera, hein, c'est foutez-moi la paix, je vis ma vie. Donc l'orchidée, bon, il y a un peu d'entretien quand même, mais je veux dire, une fois les fleurs tombées, vous lui foutez la paix et elle refleurit l'année d'après. Voilà. Donc ça, voilà, j'aime bien le truc, le principe. Et enfin, voilà, les fleurs sont plutôt jolies quand même. J'aime bien ces fleurs-là, de ces orchidées. Et ensuite, un arbre. Eh ben, un arbre, je dirais un saule pleureur. Ouais. Pareil, j'adore cette prestance-là, cet arbre.
où vous pouvez vous y caler en dessous, appuyer contre le tronc d'arbre, tranquillou. Quand il fait chaud, c'est un arbre qui vous donne de l'ombre, ben, peu importe où vous vous mettez, tant que vous êtes caché en dessous de son feuillage. Vous y êtes bien, voilà. Sur le pleureur, au bord d'un petit étang, tranquillou. Pour avoir la paix encore, et ben voilà, vous vous cachez là-dedans et vous êtes tranquille. Donc le sol pleureur. Question 3. Si tu étais un élément, eau, feu, terre, air. Eau, feu, terre, air. Je dirais, j'hésite entre l'eau et l'air. L'eau, j'aime bien être dans l'eau, vous savez, allongé en étoile là dans l'eau, où tout paraît paisible. Vous entendez vraiment que le bruit de l'eau. Je dirais l'eau. L'eau pour cette tranquillité quand vous êtes même dans votre bain là, la tête à moitié sous ouais, l'eau. Allez, on vote pour ça. Question 4. Si tu étais une pierre précieuse, diamant, émeraude, rubis, saphir ou une pierre fine, améthyste, jade, grenat, rubis, après quoi d'autre? Labradorite, lapis, lazuli, quartz, etc. Ça en fait des pierres. Pouh. Pierre précieuse, je dirais diamant. Diamant, voilà, pierre sans chichi, à l'état brut, blanche, transparente, voilà, je dirais ça. Et en plus, je la trouve super magnifique, cette pierre. Voilà. Et puis ensuite, en pierre fine, bah, je dirais le quartz, pareil. Le quartz blanc transparent, voilà. Sans fioritures, sans chichi. Tout moi, quoi. Voilà. Bah, on va passer à la question 5. Si tu étais une saison. Alors, une saison, j'hésiterais entre deux saisons. Entre l'automne et l'hiver. Voilà. J'hésiterai, c'est dur parce que j'hésite vraiment entre les deux là. Je dirais l'automne. L'automne, ouais, ce moment où voilà, l'été est parti, une autre ambiance s'installe, une certaine, une autre beauté de la nature. Bon, quand c'est le printemps, c'est aussi. Chaque saison a sa façon de renaître. Enfin, moi, je dirais l'automne parce que tellement agréable aussi ce moment de cocooning là où on reste à la maison au chaud. Il commence à faire froid, les feuilles tombent. Bon, voilà. L'automne. Ouais, l'automne. Pour ces moments de cocooning et ces changements de couleur. Ces changements de couleurs, ouais. Dans nos paysages. Voilà. Hop. Ensuite. Des moments, je dis des trucs, j'ai l'impression de dire des conneries. Mais bon. Moi, je me comprends, en fait. C'est ça le truc. Mais bon, je suis désolée si vous ne me comprenez pas. Mais voilà, c'est moi, quoi. Bon, on va passer à la question suivante, du coup. Si tu étais une saison, donc c'est bon. Si tu étais un moment de la journée, ben, j'aime pas me lever tôt, mais je préfère être le matin. Ouais, le matin, parce que il n'y a pas un dicton qui dit justement l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et ben, c'est tout à fait ça, parce que quand vous vous levez tôt, vous faites tellement de choses, tandis que quand vous vous levez tard, moi, j'ai l'impression que ma journée, elle est foutue. Bon, après, depuis que j'ai des enfants, je vous avouerai que je ne connais plus ce mot, cette phrase, se lever tard. Ça n'existe plus chez moi. J'ai des enfants qui se lèvent tôt, même le week-end. Donc, bon. Et à la limite, bon, c'est tout. Une fois qu'on est levé, ça ne me dérange pas. C'est vrai que ça me permet de faire
plein de choses. Donc j'aime bien. Je dirais le matin, si j'étais à un moment de la journée. Après l'après-midi, c'est plus dur, hein. Vous avez le coup de barre là, après manger. On est moins actif, moins dynamique. Donc ouais. Le matin pour moi. Voilà. Ensuite, septième question. Et la dernière, il y avait cette question sur ce tag. Si tu étais un des cinq sens, le toucher, la vue, l'ouïe, l'odorat et le goût, eh bien, je serais la vue. Et pourquoi? Parce que pour avoir vécu cette chose horrible de perdre la vue d'un œil lors d'une poussée, je peux vous dire que bah, c'est le gros stress. Ouais, quand vous êtes quelqu'un qui est habitué à voir hein, et que du jour au lendemain vous ne voyez plus, c'est compliqué. Il faut réapprendre. Alors moi c'était que d'un côté, certes, mais du coup ça vous limite le champ visuel. C'est compliqué quand même. Donc pour rien ne... Enfin franchement, j'ai peur à chaque fois de refaire une poussée et que ce soit... Parce qu'en fait, ce que j'ai eu, ça s'appelle une névrite optique rétrobulbaire. Donc voilà, lors d'une poussée dans le cadre de la sclérose en plaques, j'ai fait ça. Et du coup, c'est l'inflammation du nerf optique qui, bah, du coup, qui vous fait perdre la vue. Et donc, bah, gros stress, quoi. Il faut réapprendre à vivre sans voir de cet œil, quoi. Et heureusement, par chance, j'ai eu une récupération totale de la vue, chose qui n'arrive pas tout le temps. Voilà. Alors pourquoi j'ai eu cette récupération totale? Peut-être parce que j'étais jeune et que... Parce que c'était il y a 15 ans. Et que du coup, on récupère plus facilement. Hein. De toute façon, on le sait, plus on vieillit, moins on récupère bien les choses. Pas spécialement voilà, dans la maladie, mais dans tout. Hein, voilà. Voilà, dans tout, on récupère, plus on vieillit, plus on a du mal à récupérer. Donc, par chance, j'ai récupéré. Et je peux vous dire que la vue, ouais. Franchement, si je venais à reperdre la vue, j'en serais malade, quoi. Donc, ouais, la vue. Après, c'est compliqué, hein, parce que bah, chaque sens est lié à un autre. Donc, c'est dur d'en choisir qu'un. Franchement. Après, peut-être que si j'avais pas eu ce problème-là, j'aurais choisi le toucher. Étant une musicienne, ben voilà, le toucher, pareil. Si j'ai pas mes mains, je peux pas faire de guitare. Donc ouais, voilà, c'est compliqué, hein, mais bon. S'il faut faire un choix, je dirais la vue. Voilà. Voilà. Donc le tag, eh ben, le tag touche à sa fin déjà. Touche à sa fin, c'est le moment où je dois taguer deux personnes. Du coup, je vais taguer. Bah, je l'ai vu tourner pas mal hein, ce tag, donc, mais je ne l'ai pas vu chez Nathalie et Julie. Donc, je vais taguer Nathalie de la chaîne Les loisirs de Nanou. Voilà. Et je vais taguer, bah, du coup, sa petite fille, sa fille Julie de la chaîne Les passions de Jus. Voilà. Allez les filles, faites ce tag, qu'on rigole un petit peu, qu'on vous découvre un peu plus plutôt. Voilà. Donc bah écoutez, bah, je vais m'arrêter là du coup. J'aurais même pas fini mon petit chat. Mais bon, vous voyez, je suis sur la bonne voie là. Il sera terminé, il sera terminé, il sera terminé. Il sera terminé aujourd'hui. Je termine ça. Et une fois que j'aurai fini ce petit chat. Vous voyez, en plus, les symboles, ils correspondent pas à la couleur. Là, c'est censé être sa bouche, ici. Mais du coup, c'est du noir. Donc, je vais peut-être la faire moi-même, sa petite bouche. Ça, c'est embêtant, par contre. Hein. C'est pas... Ouais, je vais la faire moi-même. Parce que du coup, il n'aura pas de bouche, mon petit chat. Voili, voilou. Donc, je vais vous laisser là. Bah, écoutez, c'était un petit tac. Un petit tag, pardon, bien sympathique, très différent de ce qu'on a l'habitude de voir, donc c'était plutôt cool. Merci encore à Clara de m'avoir tagué et merci à Adeline d'avoir créé ce tag.
Je vais vous laisser là. On va se retrouver très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Salut tout le monde. Ciao.